ici? Je sais pas, Bruno. Tout est tellement bizarre ici. Écoute, je crois que je sais où nous sommes. Pas de nourriture, Bruno. Comment peut-on rester sans rien manger? Ne panique pas, ne panique pas. Mais je sais où nous sommes. Nous sommes dans le monde Rainbow Friends, Alina. Ah, c'est donc Rainbow Friends. J'adore ce jeu. Mais Bruno, je ne voudrais absolument pas être dans ce jeu. Et ça, c'est parce que tu as joué à un nouveau mode de Roblox pendant 15 heures d'affilée, quoi. Je t'ai dit d'arrêter, Alina. Et maintenant, nous sommes plongés dans cette réalité. Écoute, on ne peut pas rentrer à la maison? Allons-y. Oui, Bruno, on ne fait pas l'imbécile. Regarde, c'est vraiment fermé. Il n'y a pas à manger. Si vous voulez sortir d'ici, ramassez tous les cubes éparpillés et ramenez-les ici. Bonjour, voix étrange. Mais quel genre de cube? C'était comme ça dans le jeu. Écoute, d'accord, finissons-en vite avec ce jeu de Rainbow Friends dans la vraie vie et rentrons à la maison, Alina. Je pense que ne sera pas difficile. Écoute, voix bizarre, quand est-ce qu'on commence? 3, 2, 1. La porte est ouverte! Alors il est temps de jouer! Attention, l'ami bleu est réveillé! C'est celui-là ou quoi? Si c'est le même que dans le jeu, ça va être très difficile, Alina! Et si c'est ce carton? Alors nous n'avons rien à craindre! Allez, Bruno! Je ne pense pas que ça soit si facile! D'accord, allons-y! Écoute, Bruno, j'ai fait ce niveau des milliers de fois, alors je sais ce qu'il faut faire! Vas-y, je te coupe par derrière! Parce qu'en général, il ne se passe rien par derrière! T'es rusé, Bruno! Sors de là! Oh, Bruno, j'ai cherché à savoir si elle n'était pas dans le coin! Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je sais regarde, pas. Ne la touche pas, il vaut mieux de ne rien toucher pour l'instant. En fait, regarde le cube! Les gars, on a trouvé le premier cube! Je vais mettre le mien dans le coffre. D'accord, viens. Oh, regarde, on dirait que les choses ont changé dans notre studio. Ce n'est pas du tout notre studio. Qu'est-ce que tu racontes? Notre studio n'est pas du tout comme ça. Ouais? Je crois que c'est exactement la même chose, sauf que maintenant il est habité par les Rainbow Friends. Calme-toi, il faut en finir avec ce jeu et j'ai déjà faim. Mais tu as joué à ce jeu toute la journée et tu veux le finir bientôt ou quoi? Dans le jeu, c'est très intéressant, mais dans la vraie vie, ça fait très peur. C'est pour ça que je veux terminer tout cela. Oh, regarde, il y a une armoire. C'est une armoire? Tu vois, c'est une armoire? C'est une armoire à 100%. Ah! Il y a quelqu'un dans ce studio. C'est cette tête bleue. Alina, tu vas te cacher là? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Écoute, c'est sans doute une bonne idée. Je peux te rejoindre si tu veux? Non, non, il n'y a pas beaucoup de place ici. Va-t'en, trouve ta propre boîte. C'est l'ami bleu en masse. Oh zut, Alina, je vais me cacher ailleurs alors. Dans le jeu, c'est pour ça que je me suis cachée ici. Vraiment, j'espère que William Bonneau pourra le faire aussi. Oh, bon sang! Où est-ce que je me cache? Oh là là, oh d'accord! Oh, oh merci, ouais, ok. Les gars, je me suis caché à la dernière minute. Oh, oh, je crois que l'ami bleu, il est juste là, quoi. Je vais essayer de l'attraper, ouais. Oh, oh. Oh. C'est lui, les gars. En fait, je crois qu'il est passé à autre chose. Ok, ok, maintenant il faut sauver Alina, ouais. Alina, Alina. Zut, Alina est toute seule dans la boîte en ce moment. Il faut la sortir rapidement avant que son ami bleu ne la trouve. Hé, Alina, Alina, hé. Où est-elle passée? J'espère qu'elle n'est pas entre les mains d'un ami bleu. Alina, Alina. Bruno, j'espère qu'il ne s'est pas fait prendre. C'est toi qui l'as attrapé, Bruno. Allez, avais-le. Oh, je suis désolé. J'ai pas fait exprès, Bruno. Oh mon Dieu, c'est encore perdu. Oh, les gars, on devrait laisser ce cube ici.
Retrouvez les cubes restants. Et combien je dois en trouver alors? Vous ne pouvez pas me donner un nom précis, maudit robot. Les gars, vous savez peut-être combien de cubes il me reste à trouver? Eh bien, Bruno et moi, Bruno ne trouvera rien, bien sûr. Les gars, écrivez aussi dans les commentaires le nombre de cubes qu'il nous faut avant la fin de ce tour. À la victoire! Alors, vous avez déjà écrit quelque chose dans les commentaires? Oh, les gars, ça dit qu'il faut 3 cubes de plus! Il est dit ici qu'on a besoin que de 4 cubes supplémentaires à trouver. D'accord, les gars, merci beaucoup d'avoir écrit dans les commentaires! Celui qui l'a écrit est vraiment cool et intelligent! Ah oui, ok, il faut trouver Bruno! 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 Oui, Bruno, t'es où toi? Pas de tête bleue en vue, pas de Bruno, pas de cube. Les gars, si vous voyez des cubes, faites-le moi savoir. Est-ce qu'il accepterait un cube? Regardez, si vous le mettez comme ça, peut-être que ça comptera. Vous aussi pensez que non? Les gars, un cube? Si j'en trouve un, mais qu'il est déjà là, et que j'en prends un autre, il en reste encore deux. Oh, je suis vraiment forte. Les gars, heureusement qu'il y avait une boîte. Les gars, je cherche quelque chose dans notre frigo. Il n'y a rien à manger là-dedans, je le sais. Les gars, il m'est presque vu. Et regardez à travers ma fente, j'ai tellement peur. J'espère que Bruno va bien. Et s'il se fait prendre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut aller chercher tout de suite le cube pour terminer le jeu et retrouver Bruno tout de suite. Alina! Alina, où es-tu? Oh, je crois que c'est ce qu'il me faut, ouais. Cette fois, il parlait de cube. Alina en a trouvé un similaire. D'accord, j'emmène ça au début du jeu et j'espère y retrouver Alina. Zut, Bruno, on n'en a pas encore apporté. Et toi, t'es passé où? C'est un sac numéro. Il n'y a pas de place à se cacher. Oh là là. Ah, t'es Alina. C'est moi. Je me suis recouvert avec la mie bleue pour masquer mon identité au cas où. Non, t'approche pas, Recule. Alina, c'est moi, William Bruno. Nous jouons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais des blagues pareilles. Tu sais quel point j'ai eu peur. Et puis, t'étais où, toi? Je pensais que t'avais été capturé et que je devais chercher les cubes, et toi? Écoute, qu'est-ce qui t'inquiète autant? Les filles s'inquiètent tout le temps pour rien du tout, quoi. D'abord, je n'ai pas disparu. Je te cherchais toi-même. Et où est le cube? T'en as au moins un? Le voilà. Je te cherchais et j'ai trouvé un cube. Et voici un autre avec un nid dessus. Et tu sais quoi? Je crois qu'on a trouvé assez de cubes. Hé, la voix, est-ce qu'on peut sortir ou non? Il reste encore un cube. C'est ce qu'on m'a dit les abonnés, ils savent. Les gars, merci d'écrire dans les commentaires. Et comment le savent-ils? Je ne sais pas, ils sont les seuls à le savoir. Comment vous le savez? Comment? Bon, les gars, si j'ai bien compris, il faut un autre cube aussi. Et je sais où le trouver, en fait. Moi, quand je te cherchais, en fait, j'ai rencontré un ami bleu dans une grande salle. Et il était là à garder une sorte de boîte, et il l'a gardé sans doute pour une raison, quoi. C'est probablement ce dont nous avons besoin ici. Écoute, si c'est l'ami bleu qui la garde, il est hors de question qu'on la prenne parce qu'il la garde. Alors comment on résout ce problème? Ben c'est pour ça que je suis là. J'ai un plan, moi, tu sais. Toi, je sais quoi, tu veux le distraire. Avec ton aide, Alina. Ce n'est pas juste, je suis pas d'accord. Allez, c'est pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ouais, voilà, j'ai gagné. Alors, c'est toi qui distrais l'ami bleu pendant que je prends ce qu'il y a dans la boîte. Et je suis sûr qu'il y a un quatrième cube là-dedans. D'accord, très bien, je vais le distraire, moi. Après tout, je suis la plus intelligente d'entre nous. C'est ça, allez, allez les gars, j'ai besoin de vous. Cette tête bleue. Et toi, stupide ami bleu. Les autres amis ne sont pas aussi stupides. Tu me rattraperas pas, hein? Ah, l'ami bleu est stupide. Maintenant, c'est mon tour, les gars. Ouf. Alina a fait un bon travail, ouais. Maintenant, il faut que je prenne le dernier cube. Tiens, il doit être dans cette boîte, je crois. Ouais,
Ouais, là, tu entends? Le cube, il est bien là! Mais comment ouvrir cette boîte, en fait? C'est quoi, ce test? Trouve la solution à cette équation et la boîte s'ouvrira. Oh, d'accord. On va essayer. Bon, 10 plus 5. Bon sang, j'aurais dû faire l'impasse sur les maths ces dernières semaines. Oh, ah oui, mais on a déjà fait l'addition, quoi. Seulement, je me souviens toujours pas du résultat, les gars. Si tu connais la bonne réponse, mets cette vidéo en pause tout de suite et écris la réponse pour m'aider à trouver le dernier dé. D'accord, je crois qu'il y a déjà des options. Quelqu'un ici dit que la réponse est 15. Ici aussi, la réponse est 15. Oh, les gars, essayons, quoi, d'accord? Ok. Ouais, c'est 15. Vous avez entendu ça? Il y a une sorte de bruit de mécanisme. Essayons. Oh, c'est ouvert. Les gars, voilà le dernier cube. Celui qui a écrit la réponse 15 dans les commentaires est le plus intelligent, les gars. Merci beaucoup de m'avoir aidé à résoudre le problème. Bon, il faut que je rentre. Alina, j'ai trouvé le quatrième cube. Ouais, regarde. Alina, pourquoi me faire peur comme ça? Mais pourquoi t'as peur? Comment, petit enfant? Mais ce n'est que l'ami bleu en carton. Tu es toi-même comme un petit enfant tout le jeu. Allons remettre ce cube en place, en fait. Alina! Arrête, je suis là! Pourquoi tu fais du bruit? C'est une habitude! Écoute, mec, tu n'as qu'à rester là! Allez, on y va! On rend le quatrième cube! Ouais! Ouais! Alors, on peut rentrer à la maison? Les cubes ont disparu! Je l'ai dit en première! On s'en fout, quoi! Hé, est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer chez nous maintenant? Oh, où sont les lumières? Je voulais vous laisser sortir, mais quelqu'un a enlevé toutes les piles. Trouvez-les. Quelqu'un nous empêche de rentrer chez nous. En fait, personne ne nous empêche. C'est juste qu'il y a 3 niveaux dans le jeu. Et si on ne les passe pas, elles ne laisseront pas partir non plus. Nous devons donc passer ces 3 niveaux et survivre. D'accord, allons chercher les piles. Regarde, c'est une nouvelle place pour les piles. T'as compris que tu vas les envoyer ici? Ouais, je vois, Alina. Écoute, dépêchons-nous de trouver ces 4 piles maintenant. Ouais. Ouh. L'ami vert s'est réveillé. Écoute, l'ami vert, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Parce que bon, le bleu, je me souviens. Il est revenu. Ouais, il est toujours ici. Écoute, t'as oublié ce que fait l'ami vert, vraiment? Non, je m'en souviens pas. Que fait l'ami vert? L'ami vert ne voit rien du tout, mais l'entend très très bien. Tu te souviens de la grand-mère Granny? Voilà, c'est lui. Bon, j'ai compris, Alina. Bon, on y va. Il faut qu'on trouve des piles et j'ai besoin de ton aide, en fait, ouais. J'ai l'œil dessus. Écoute, les choses ont changé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un nouveau niveau ici. Il ne ressemble pas du tout au précédent. On peut pas passer par là. Je crois qu'il faut aller par là, en fait. Ça devrait être la fin de la carte. Je pense que je sais où se trouve la première batterie. Ouh. Là, tu vois, là, au loin. Je ne vois pas derrière toi. Oh, je la vois, elle est là. J'ai réussi, j'ai eu la première pile, c'est génial! Allez, Alina, il faut en trouver 3 autres! Bruno, t'es passé où? Alina, j'ai vérifié, il n'y a pas de pile en fait! Oh. Ah, Alina, je suis coincé! Écoute! On a failli se faire avoir! Bruno, vraiment, il faut l'ouvrir! Ah, oui, c'est vrai. Dépêchons-nous avant que l'ami vert nous entende. Il faut se taire. Silence, Bruno. D'accord. Nous voilà dans la grande salle. Prends moins fort. Chut. Tu tapes très fort. Tu dois faire comme ça. Ok, c'est d'accord. Je vais marcher le plus silencieusement possible. Oh. Alina, regarde. C'est là qu'il nous faut. J'arrive pas à attraper. Moi non plus, je n'arrive pas à l'atteindre. Et écoute, tu peux m'apporter l'escabeau qui est là-bas? J'ai compris. Allez, dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Et nous avons encore beaucoup de piles à trouver en fait. D'accord, merci, j'y vais tout de suite. Allez, je vais le chercher pour toi. Oh là là. Ne bouge pas. D'accord, d'accord. Oh.
laisser passer, d'accord. Alina, j'ai la pile. Oh là 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 là. Alina, j'ai une autre pile. Hé, l'ami vert, par ici. Ok les gars, Bruno est distrait pour l'instant, donc maintenant je m'en vais trouver toutes les piles restantes. Ça y est, j'ai la pile, c'est le plus important. Bon d'accord, il faut se cacher maintenant. Ma boîte. Les gars, c'est le double d'Alina dans le monde des boutons. Zut. Bon, je vais me cacher sur le canapé. L'ami bleu, il est là. Et le vert est là aussi. Bon, il faut faire le moins de bruit possible. Il faut vite les distraire. Ouais, j'ai une idée en fait. Et... Ah. Oh, ils sont vents. C'est super. Bon sang, il y a si peu de place sous le canapé. Un carton serait plus confortable pour se cacher. Bon, il faut que je trouve une autre batterie en fait. D'accord, il doit bien y avoir quelque part une pile que j'ai jetée. Voilà, c'est la batterie qui m'a sauvé la vie en fait, ouais. Et je pense qu'il doit y en avoir une autre ici. Mais où pourrait-elle en fait? Oh, il ne semble pas y en avoir en plafond. Il y en a pas non plus sous la table. Oh, une pile, ouais. Où est-elle? Oh, elle est là. J'espère vraiment qu'Alina a trouvé une quatrième pile. Et alors, on va vraiment gagner ce tour. Ça marche. J'espère que Bruno va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu fais, Bruno? Alina, regarde, j'ai trouvé ton double du monde des boutons. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être bon. Bon, j'ai deux piles et je pense qu'ils sont très utiles en ce moment. Mais il faut en trouver une autre. On a déjà cherché partout. Écoute, il y a un endroit où nous n'avons pas cherché, toi et moi. Ce sont les toilettes. Je pense pas qu'ils se cachent dans les toilettes. Cherchons quelque part ailleurs. Écoute, Alina, il faut chercher là où on n'a pas cherché du tout. Et on n'a pas cherché dans les toilettes, en fait. Et là, ça peut être n'importe quoi. Tu proposes qu'on aille aux toilettes ensemble, maintenant? Je te le propose pour nous sauver la vie uniquement, quoi, ouais. Eh bien, allons-y. Bruno, ça m'étonnerait vraiment qu'il soit dans les toilettes. Ce serait très étonnant. Écoute, je crois que tu poses beaucoup trop de questions. Faisons notre travail et allons dans les toilettes, Alina. C'est juste là. Je t'avais dit qu'elle était dans les toilettes. Bon, on va remettre la dernière pile en place. Allez, Alina. Allons-y. Ça. Qu'est-ce que tu te caches? Oh, ça pue là-bas. Et si tu m'avais amené avec toi, on aurait pu partager la puanteur ensemble. Alina, c'est bon, allons donc remettre cette putain de pile en place pour cette voix qui nous contrôle. Allez, je la mets ici. Ça a marché. Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant, hein? Hey, les lumières se sont encore éteintes. C'est effrayant. Regarde, on peut garder les lumières allumées pour un autre tour. On a tout compris, mais peut-être que c'est une mise à jour du niveau. Vous y êtes presque. Récupérez tous les ballons et je vous laisserai partir. Mais attention, l'ami Orange s'est aussi réveillé. Orange aussi? C'est une catastrophe, Bruno, c'est une catastrophe. Écoute, qu'est-ce que l'Orange il peut faire? Bruno, dans le jeu, il courait super vite sur une certaine trajectoire et renversait tout le monde sur son passage. Il est dangereux. D'accord, je vais essayer de faire plus attention. Tu vois, il va t'écraser et c'est la fin du jeu. Je comprends. Allons chercher des ballons. On en a 4 à trouver. Bruno, il est encore là. Il est toujours là. Allez, Alina, il faut trouver 3 ou 4 ballons en fait. Combien de ballons reste-t-il à trouver? Je crois que c'est 4. Les gars, 4? Je pense que oui. Bon, on y va. Bon, on va vite trouver les billes et on rentre à la maison avec toi. Oui!
dernier. Alina, pas de lumière cette fois. C'est dommage, on n'aura plus jamais la vie jaune. Écoute, on verra bien. Le plus important maintenant, c'est de sortir la torche de ton... inventaire. D'inventaire, ouais. Ça marche, c'est super Alina. Allons chercher ces putains de billes. Écoute, s'il arrive quelque chose, on se cache ici. Et il y a un si long couloir sombre. Écoute, pourquoi tu ne regardes pas s'il y a quelqu'un? Allez, Alina, cours, 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 cours. Allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah mince, il faut plus t'envoyer pour ces missions. Et moi qui te faisais confiance. Alina, ne crie plus jamais comme ça, d'accord? Seulement si on est en danger. Ah, écoute, peut-être... Je n'irai plus, vas-y toi-même. Bon, d'accord, on va quand même aller dans la boîte. Comme on est sorti ici au début de la scène. Écoute, c'est terriblement inconfortable. C'est confortable, Alina, c'est très bien. Mais on est en sécurité, en fait. Non, je pense qu'il va nous voir de toute façon. Et alors? Au moins, il ne peut rien faire à la boîte. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Ouvre les portes, Alina. Allez, Bruno, entre. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, c'est ouvert. Ouais, c'est ça, j'arrive. Bon, d'accord. Il faut trouver ces ballons, Alina. Il faut ces ballons. Il y a des gars ici. Les gars sont debout. Oh, ça pique. C'est pas ça pique. Alina, regarde ce que j'ai trouvé. Prends-le, prends-le. T'es sûr que c'est ce qu'on cherche? Regarde. Qu'est-ce que tu tiens maintenant? Un ballon. Et nous devons trouver un ballon. C'est donc ça qu'il nous faut, quoi. D'accord, j'espère que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Regarde, qu'est-ce que c'est que sous mes pieds? Oh, Bruno, cache-toi, c'est la trajectoire orange. Il faut se cacher maintenant tout de suite. Allez, rentre dans la boîte et pousse-toi. Allez, pas de temps pour faire tes pas de plate maintenant, allez. Oh, voilà l'orange qui arrive. C'est bien de l'orange que tu as parlé, ouais, Alina. Allez, allez, sors, allez, allez, Alina, on n'a pas le temps. Regarde tout autour de toi. Et surveille le sol pour son curseur. T'as vu les lumières jaunes comme ça, toi? C'est la trajectoire qui suit, en fait. Tiens, remarque, ils ne sont pas là. Bon, d'accord. Écoute, cherche le ballon, il doit être coloré, ouais. Et il doit avoir à peu près cette taille. C'est quelque chose comme ça? Exactement. Allez, prends-le. Mais j'ai plein de ballons, moi, Bruno. C'est le deuxième ballon, Alina. Allons-y, allons-y, il faut sortir d'ici. Il ne peut pas y avoir qu'un seul sujet dans une pièce. On se sépare? Alors, tu penses que c'est le plan le plus efficace pour l'instant de se séparer? C'est ce qu'on fait toujours. Eh bien, ne le faisons pas maintenant? Je pense que c'est stupide de se séparer, parce qu'on se met en danger. J'ai deux fois plus. Alors, reste près de moi. Allez, et toi, reste près de moi. Bruno, allez, allez, ouvre, je regarde. Y'a quelqu'un? Alina? Personne. Les gars, venez avec nous. Tu vois les ballons? Tu vois la trajectoire? Non. Zut, où est-ce que je peux trouver le reste des ballons? Écoute, qu'est-ce que tu en penses, Alina? Je regarde cette drôle de trajectoire grise ici et je pense qu'elle est peut-être en train de courir quand elle monte dessus. Bon, on passe à autre chose, il n'y a pas de ballon ici. On peut pas rentrer à la maison, juste... Suspendu. Je vois pourquoi on peut pas s'échapper. Apparemment, elle s'ouvrira quand on aura trouvé tous les objets. Ah. Oh, c'est toi qui as mis ça? Non, ce n'est certainement pas moi. Donc ils ne traînent pas non plus, mais ils arrivent à l'improviste. On s'en fout de la façon dont ils apparaissent. L'important, c'est qu'on a déjà trois ballons. Vas-y, mets-les. On y va, on y va, on y va. Alina, allez, continue. Oh, oh. Ah. Regarde. Cache-toi! Allez vite ici! T'as vu ça? Oh, on a failli se faire attraper, oh! T'as vu sa tête comme dans le jeu Crocodile? C'est donc l'ami orange! Allez, il faut poser ces trois boules sur la table! Ce serait bien d'en trouver le quatrième de suite! Écoute, on s'occupera du quatrième ballon plus tard! Oh, le voilà! Il est... Je savais qu'il était vivant, regarde! Il a toujours été là? Je ne sais pas, j'ai pas envie de le côtoyer. D'accord. Bruno, t'entends ça? Silence! Ne bouge pas! Nous devons attendre qu'il parte. Alors je vais prendre ce ballon et on va continuer le jeu. Bruno, elle n'a pas l'air de vouloir partir.
trouver une solution. C'est bon. Bien sûr que je suis bonne. Tiens la chaussure. Allons chercher la dernière balle et terminons enfin ce jeu. Tu n'as pas encore, nous battons maintenant. Ami arc-en-ciel bleu, je prends ça, ouais. 1, 2, 3. Et le ballon le plus important est rouge. Félicitations. Maintenant, filez. Courir où? Où ça? Voir. Regarde, c'est probablement là que se trouvait la fermeture. Regarde. Cette porte doit être ouverte maintenant. Allez, on court. On y va. Oh, oh. Allez, Alina. Bingo, c'est parti. Allez. C'est parti. Allez, on tient. C'est fini. Dieu merci. Et on a réussi le jeu des amis en arc-en-ciel. Mais tu sais quoi? J'aimerais bien voir Sonic Exe, appelle-nous. Ah, tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez. Le Sonic, on l'appelle vite. Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Execteur. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Wudou de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Wudou, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfait, malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Wudou qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe, car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Execteur. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger, car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain. Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Wudou, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est juste Dima et ça c'est Alina. Attends, tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça... Tu es toujours en avance sur les autres candidats quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon d'accord Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Execteur. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc
probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici, dans la grande salle, parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas l'encontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera ici... Je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. Et là, je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enleverons son masque. Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait, nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi, je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va tous se retrouver ici, dans la grande salle, et avec la carte que j'ai préparée ici, dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, laissons de temps d'appeler ce Sonic Exe et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur. Tu es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non, mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. Ah, c'est là, voilà, plus près de la porte. Mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, les gars. En voici une. Et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi. Ici, pour que ça soit plus lourd, la construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe. 4 bougies qu'on met dans les coins. Les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant, on dit trois fois de suite Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge sabonné qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi il nous empêche toujours de faire quoi que ce soit? Il gâche tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut, Bruno. La
quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir, Sonic. Pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute, Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon. T'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé, quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais, les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller plus d'avant dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Vu qu'il reste un peu, je vois déjà la porte. Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars, Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Hé Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons, tu es si mignon, tu es très gentil, yay! Hé Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons, tu es si mignon, tu es très gentil, yay! Hé Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons! Ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic Exe. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Minuit, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé, ok, bon, ça marche. Oh, donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic Exe. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Oh, moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William, Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'il fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde, William, Bruno. William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Mais je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sorcière. Quoi? Les hérissons dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les hérissons sont dans la cage, c'est fini, on
l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper ce Bruno. Oui, il est dans le piège. Passons à la troisième étape. Alors, vite. Dépêchons-nous. Allez, là, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alida. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. D'accord. Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la carte tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alida, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Eh, les gars, vous êtes en retard. J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Je l'ai refermée ici. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Où est le filet? Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder, il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord, attends, je m'en occupe, tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé. Et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y, 1, 2. Je sais pas, Où est Sonic? Sonic? L'hérisson. Allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait voir? Les gars. M'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain, les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi. Nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit hérisson? Écoute-moi, nous sommes trois et t'es un seul. T'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie. Et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, Alina. Tu te souviens, hein? Hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien maintenant, Sonic. Dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok. Je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Il ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Oh, carton gâte! Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est éteinte! Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière?